Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de travailler une chanson de Zao de Sagazan qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont abonnés et qui aiment bien cet artiste, moi également. Je me suis amusé à transcrire l'introduction. Je l'ai mise via MuseScore en partition. MuseScore, c'est un logiciel gratuit que je vous conseille d'essayer. Je vous mets le lien en description. Alors, nous allons travailler ce morceau déjà la main gauche. Donc, c'est un morceau qui est en si bémol mineur. Si bémol mineur, c'est la gamme de si bémol mineur. On voit qu'il y a 5 bémols à la clé. C'est exactement la même gamme que le do dièse majeur. C'est donc un morceau qui commence en do dièse majeur. À la main gauche, on va en fait jouer l'accord de Do, mais en faisant alterner fondamentale, quinte et tierce. Donc ça sur deux mesures. Ensuite, on passera au si bémol mineur. Également en deux mesures. Suivi d'un Fa majeur, Fa dièse majeur, pardon. Depuis le Fa dièse, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser la fondamentale, ce qui reviendra en fait à faire un Si bémol mineur sur Fa. Donc, Fa dièse majeur, Si bémol mineur sur Fa. Ensuite, donc là on voit qu'on descend toujours la basse. Ici c'est l'équivalent d'un Mi diminué avec une septième. Sur une mesure également. Ensuite, on va passer au Mi bémol mineur. Également sur une mesure. Et après, on va remonter d'une octave et puis on va jouer en Fa mineur. Et puis là, le Fa mineur est renversé, ce qui fait qu'on joue d'abord sur le Do. Cette fois-ci sur deux mesures. Ensuite, on va descendre sur Si bémol mineur. Deux fois aussi, deux mesures. Ensuite, donc, on tombe sur un La qui est diminué. En fait, ce qu'on peut entendre derrière, finalement, c'est comme si c'était un Fa septième sur base de La. En tout cas, c'est ce que moi j'entends. Mais effectivement, au niveau des notes et même de la mélodie, c'est effectivement un La diminué. Sur deux mesures également. Et ensuite, on revient sur le Si bémol mineur. Donc évidemment que à la main gauche, ces alternances de notes sont jouées à la croche, ce qui fait qu'il y en a 8 par mesure. Alors maintenant, on va s'intéresser à la main droite. Donc on va commencer par un Fa sur 5 temps, c'est-à-dire la première mesure et le premier temps de la deuxième mesure. Donc première mesure Do dièse majeur. Deuxième mesure premier temps. Et puis là on part avec le quatrième doigt. Donc on fait
Ensuite, on part en si bémol mineur. Et là, on va faire la même chose, 5 temps sur le do dièse. Et ensuite, on va faire. C'est la première mesure. Au passage, on remarque ce La bécard sonne avec une petite tension qui est très belle parce que ça sort justement de la gamme de si bémol mineur. Donc. Et puis là, on arrive sur Fa dièse. Là, on reste deux temps sur le si bémol. Ensuite, même chose avec ce si bémol mineur sur Fa. Ensuite, le mi diminué, donc là, si bémol. Sur deux temps, et puis sur la noire, on va faire et ensuite on va descendre en si bémol mineur, deux temps de nouveau. Sur le Fa. Et puis là, on va faire une noire pointée, donc qui dure un temps et demi. Donc noire pointée, noire, noire pointée. Puis ensuite, on va faire donc à la noire, on va rester sur le Fa, donc et puis Do dièse ou Ré bémol, ça dépend comment vous voyez les choses. Ré bémol. Là, on va rester sur un ton plus une croche. Sur ce Ré bémol, on va rester 4 temps et demi, donc 4 temps plus une croche. Donc là, on est sur Si bémol mineur. Donc on va juste faire la première croche. Puis ensuite, on va faire noir, noir, croche, noir. Donc on va faire. Refait. Ensuite, on passe au La diminué. Là aussi, on a une noire pointée suivie d'une noire et d'une noire pointée comme avant. Fait.
ensuite, de nouveau, noir, 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 noir. Et on finit sur le si bémol mineur. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura été assez clair et qu'il vous aura plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye!